Ông quý chú. Ông chủ đề cao một tổ cái tầm đa ca để tìm thi sản đa ca hay đào tìm cao chuyên tư và xã bình nhà rộng ổn trả chiếc đảm bây mình đồng cao một tổ ca tăng xâm rốt để đào chế phụ xã xây xông chương. Merci, Monsieur le Président. Je voudrais dès à présent signaler à la Chambre qu'il nous faudra sans doute 15 minutes de plus pour pouvoir couvrir l'ensemble des sujets que nous avons préparés, qui sont justifiés en partie par les interruptions liées au débat sur la torture ainsi que les plaidoiries ou les objections qui ressemblaient à des plaidoiries de la part de la défense. Voilà, je vous laisserai évidemment prendre la décision plus tard, mais je voudrais simplement le signaler dès à présent à la Chambre. Non, le délai supplémentaire serait plutôt demain matin, avant que l'avocat des parties civiles prenne 30 minutes pour interroger le témoin. Merci. Merci. Alors pour commencer, nous avions parlé justement des instructions du Dutch et de vos supérieurs, monsieur le témoin. Et vous nous aviez dit qu'il ne fallait pas éprouver de sentiments pour les ennemis que vous interrogiez. Vous deviez être absolu et ferme. Et je voudrais, à ce propos, faire projeter avec l'autorisation du président un extrait de la même vidéo que tout à l'heure. C'est la vidéo E3-2330R entre 42 minutes 46 secondes et 43 minutes 34 secondes. C'est également un moment où le témoin parle dans ce film de Rathipan. Bah, on y a une vidéo, ការធ្វើទរណកម្មកាលនោះគឺមិនចិត្តមានសហគូខោមិនមានការពិចារណាអ្វីគឺមានអំណាចអំណួតក្នុងខ្លួននឹងទៅលើខ្មាំងគឺថាមិនគិតពីអាយុជីវិតទេទេថាឃើញអាយុជីវិតអ្នកទោះដូចជាសត្វជាធៀបចឹងហើយការលើកដៃធ្វើទរណកម្មគឺគ្មានចិត្តមួយថាទប់ខួរក្បាលនឹងមិនអោយដៃនឹងវាយមិនអោយជើងនឹង Dans cet extrait de ce film, monsieur le témoin, vous avez notamment dit que vous ne pensez pas à la vie de l'ennemi que vous interrogez, et que vous le voyez comme un animal. Est-ce que c'est Dutch ou vos supérieurs qui vous ont dit qu'il ne fallait pas voir les ennemis que vous interrogiez comme des êtres humains? Bah, d'autres, De
Durant les interrogatoires, monsieur le témoin, est-ce qu'il y avait des règles de discipline que devaient respecter les prisonniers? Ce qu'on appelait, je crois, les règles du santébal. Et si oui, pouvez-vous nous dire quelles étaient ces règles? มาเจอตู้เต้าน้องฉบับเกิดห้ามมันอ้อยเนี่ยตู้ไส้มันอ้อยเนี่ยตู้ต่อได้มันอ้อยเนี่ยตู้ไส้โลลาน้องเมียนปันแต่โลกลายขย่มก็เวมันเจอกลายทุ่มน้องมันกลายโตใจน้องมันทุ่มมวยโตโตอย่างคือมันได้เมียนการเพียบน้องการลาง Parmi ces règles, y avait-il également celles qui disaient qu'il fallait répondre aux questions immédiatement et sans dévier? Que voulez-vous dire? Je n'ai pas bien compris. Ah. D'accord, je retire ce que j'ai dit, c'était une mauvaise interprétation. Est-ce qu'il était également interdit aux prisonniers de faire du bruit, que ce soit lors des interrogatoires ou dans la cellule où ils étaient détenus? Lors des interrogatoires, lorsqu'un prisonnier enfreignait ses règles, par exemple, lorsqu'il criait en étant maltraité, est-ce qu'il y avait des sanctions qui étaient prévues pour cela? Est-ce que les règles prévoyaient également qu'on les frappe ou qu'on leur applique des décharges électriques lorsqu'ils ne respectaient pas les règles? Est-ce que le fait de garder les prisonniers dans un silence complet, à part les interrogatoires, durant leur détention AS21, est-ce que c'était délibéré de la part de Dutch et des cadres pour affaiblir la résistance de ces prisonniers? Mà nâng kia
ហើយដល់វិធានការបោះ Est-ce que Duce et vos supérieurs recommandaient également d'humilier ou d'insulter les prisonniers? Est-ce que Duce a jamais parlé d'une autre technique qui consistait à demander aux prisonniers interrogés à S21 de rendre hommage à des objets ou à des images de chiens? Est-ce que c'était uniquement pour humilier le prisonnier ou y avait-il un autre but à l'utilisation de ces images de chiens qui fallait honorer? Il y a également une explication que je voudrais lire qui est extraite de ce carnet des cadres interrogateurs des 21 2 5 9 3 0 0 3 0 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
28 mai 1978. Grand 1. Au sujet de l'interrogatoire des ennemis qui viennent d'être annoncés. Petit 1. Leur ordonner de faire des salutations au statut de deux chiens. Parce que c'est une sorte de question. C'est un symbole politique. Un chien égale les impérialistes américains. Un autre chien égale les Vietnamiens, à valeur de territoire. Nous leur ordonnons de faire ces salutations pour les déstabiliser d'abord. Parce que juste après leur arrestation, ils se réclament d'être des révolutionnaires à 90%. S'ils présentent bien des salutations à ces deux chiens, cela veut dire qu'ils reconnaissent leur trahison. Et plus loin, s'ils refusent, ne pas frapper tout de suite. Laissez une minute. Après, leur ordonner de dire qu'ils servent ces deux chiens, en quelle année, dans quelle organisation. Fin de citation. Je voudrais avoir votre réaction par rapport à cela. Est-ce que l'image des chiens est également utilisée pour représenter certains types d'ennemis comme les impérialistes américains et les vietnamiens? Pour les impérialistes américains et les vietnamiens.
But Knung Yam Lightney, he should chat about Luke got Rip Jam Junk Yam and I Julnay Van Trandy for Yam Dangta, our Rook Sky Mall, and I'm by on that Tok Rook Sky, and I've been given talk or gay. But her deep talk big in him, Rook Sky, and Julia Van Dangley, but that young lady, young lady, and what Julia chat you buy the Bucky Rip Jam. J'en viens aux différents types d'actes de violence physique qui ont été commis à l'égard des prisonniers lorsqu'ils n'avouaient pas spontanément ou avec le recours aux méthodes douces. Vous avez déjà parlé des coups, de l'électrocution. Vous avez parlé des sacs en plastique qui étaient utilisés pour les suffoquer. Je voudrais simplement revenir sur l'une ou l'autre de ces techniques. Concernant les coups de bâton, de fouet ou de branches d'arbres, est-ce que c'était le mauvais traitement qui était le plus courant? ការវាយនឹងរំពាត់ខ្សែតីឬក៏ការវាយនឹងមែកឈើហ្នឹងខ្ញុំចង់សួរថាតើវិធីសាស្ត្រទាំងអស់ហ្នឹងគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលលោកតែងតែប្រើជាញឹកញាប់មែនទេ?បាទវិធីសាស្ត្រទាំងអស់នេះគឺជាវិធីសាស្ត្រដែលប្រើជាប្រចាំ Yes, Mr. President. I was in time on my feet. I object to this question as I objected earlier as well. The questions should be limited to those interrogations during which this witness was present or which he participated. He's being asked questions in general about the interrogations that took place in S21. There were interrogations taking place in special prison. He never visited that prison. Seemed to be about 4,300 confessions. Most likely a number of interrogations. He is constantly being asked to give far-reaching statements or evidence as to what happened during interrogations. He said that he was a member of the so-called chewing unit. He was also a member of the so-called hot unit. So he seems to be offering evidence on his own eyewitness. Monsieur le Président, je voudrais répondre. Je pense que toutes les questions, et le témoin l'aura bien compris, que je lui adresse portent sur son expérience en tant qu'interrogateur, à la fois parce qu'il a observé d'autres interrogateurs quand il était en formation, parce qu'il a interrogé lui-même des coups de prisonniers, et aussi parce qu'il a reçu des instructions, des ordres, ou lors d'une séance de formation, à propos de ces traitements violents. Je ne vois pas pourquoi il faudrait parler de la prison spéciale. La question ne portait pas sur la prison spéciale du tout. Donc voilà, je vais juste poursuivre la question, monsieur le président. Je vais juste poursuivre la question, monsieur le président. Je vais juste poursuivre la question, monsieur le président. En fait, je vais passer à la question suivante parce que vous aviez déjà
répondu à cette question. L'objection avait été formulée juste après. Juste le coup de fouet, de bâton, ou de branche, est-ce que les prisonniers que vous avez interrogés personnellement, ou alors d'autres prisonniers, et vous l'auriez appris autrement, est-ce que certains prisonniers ont encouru des blessures importantes et des infections? Étant donné le risque d'infection et de pour la santé du prisonnier, est-ce que vous avez reçu à un moment donné des instructions de recourir plutôt à d'autres formes de violence qui ne causaient pas ce type de plaie? មិនបង្កឲ្យមានរបួសស្នាមខ្លាំងក្លាបែបនេះទេពីព្រោះថាការធ្វើបែបហ្នឹងទៅវាអាចជាបង្កជាការខ្លាយអីអញ្ចឹងវាអាចនឹងប៉ះពាល់ដល់សុខភាពរបស់អ្នកទោសបាទពិធីប្រើដំណកម្មខុសពីហ្នឹងគឺមិនមានទៀតទេព្រោះការធ្វើខុសពីហ្នឹងវាច្រើនគ្រោះថ្នាក់ច្រើនអញ្ចឹងឲ្យធ្វើតែប្រមាណ 3-5 mukh. Pas sûr d'avoir tout à fait compris, donc je ne sais pas si c'est une question d'interprétation. J'aimerais dire ce que vous avez dit devant les juges d'instruction, procès verbal E379, à la page en français 00046 45 85, en anglais 00165 54, et en Khmer, page 3, c'est-à-dire 00146595. Je cite ce que vous avez dit. À propos de la torture, au début, personne ne nous a dit grand-chose. Mais après, on nous a dit d'utiliser le sac en plastique, l'électrification, pour éviter qu'il y ait des plaies sur le dos, des blessures sur le corps. Et le problème de piqûre des ongles était un problème secondaire. Tout cela pour faire en sorte d'extraire la réponse. J'espère qu'en Khmer, vous aurez compris. La question était de savoir si on vous a demandé d'utiliser des techniques comme celle de l'étouffement, la simulation d'étouffement par sac en plastique ou l'électrocution pour éviter des plaies ouvertes sur le dos des prisonniers. Lorsque, sur ordre de vos supérieurs, vous deviez recourir à l'électrocution des prisonniers interrogés, est-ce que ceux-ci s'évanouissaient parfois? Thank you.
Est-ce que c'était un type de torture qui était efficace? Est-ce que l'électrocution permettait ensuite que les prisonniers avouent rapidement? Concernant l'utilisation du sac en plastique, est-ce que Butch ou vos supérieurs vous avez dit combien de temps il fallait maintenir le sac en plastique fermé sur la tête du prisonnier pour éviter qu'il ne meure? Avez-vous jamais utilisé des pièges à animaux pour faire mal aux détenus durant l'interrogatoire? Alors, on a beaucoup parlé de ces tortures. Il y avait donc le volet plutôt psychologique avec des ruses. Et il y avait le volet contrainte physique ou violence. Quels étaient les éléments qui faisaient en général craquer les prisonniers? Est-ce que c'était un traitement physique particulier qui les poussait ensuite à avouer, ou bien est-ce que c'était l'ensemble des conditions de détention et les formes de violence qui étaient exercées contre eux, que ce soit des violences physiques ou psychologiques? Question un peu difficile, mais est-ce que vous avez pu constater quoi que ce soit à ce niveau-là? Est-ce que vous avez appris par vos supérieurs que dans certains cas, et là je ne parle pas de vous, mais que des prisonniers étaient morts après que des interrogateurs aient utilisé des violences à leur encontre? Est-ce que vous avez appris quoi que ce soit à ce propos-là?
Est-ce que les interrogateurs qui avaient, en tout cas l'interrogateur qui avait causé la mort d'un prisonnier est-ce qu'ils sont restés interrogateurs? Lorsque vous aviez pensé que l'interrogatoire était terminé, que les aveux étaient complets, que deviez-vous faire exactement? Que deviez-vous transmettre à vos supérieurs comme document? Dans les documents que vous transmettiez, est-ce qu'il y avait différents types de documents? Donc, je vais faire plus simple pour la deuxième partie de la question. Est-ce que vous deviez également établir un résumé des aveux du prisonnier en plus de transmettre les aveux complets? Est-ce qu'à la fin des aveux figurait une liste des complices de la personne qui avait été interrogée?
Alors, je voudrais vous soumettre un exemple. Alors, nous sommes dans le cadre du projet de loi sur le signature. C'est le cadre de loi Meng Heng, alias Chon, Chon, chef de la station d'électricité du ministère de l'énergie. Chon, président, je voudrais soumettre une couleur pour certaines pages de ces aveux à M. Thien. Alors, je voudrais soumettre une couleur pour certaines pages de ces aveux. Alors on trouve la signature d'un dénommé PRAK Khan en Khmer à la page 001 3 4 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
page 00 96 3 0 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
Monsieur le témoin, est-ce que vous pouvez regarder la signature qui figure à côté du nom PRAK Khan? Est-ce que c'est bien votre signature PRAK Khan? Je vous demande si vous avez une signature PRAK Khan ou si vous avez une signature PRAK Khan. ហើយការនេះមកខ្ញុំចឹងការធ្វើឯកសារជាជំហានដំបូងហើយនៅឈ្មោះឯងមិនហៀងហើយឈុននេះប៉ុន្តែការចាំការដឹកឃើញមិនអស់ទេព្រោះយូរឆ្នាំហើយប៉ុន្តែទូទៅគឺមិនដូចមិនសូវមានសង្ខេបទេ Est-ce que vous vous souvenez en gros ce qu'il était reproché à cette personne qui travaillait pour le ministère de l'énergie? Je suis obligé de marquer une objection ici puisque je comprends que M. le co-procureur va suivre ce qui était reproché à la personne qui a été interrogée. Or, de ce que vient de dire le témoin sur la manière dont il obtenait les aveux, la manière dont il savait pourquoi la personne était arrêtée, c'était uniquement en fonction de ce que cette personne disait à la suite de l'interrogatoire. Donc forcément, si l'on va sur ce qui est reproché à la personne qui est concernée par cette confession, on est forcément sur le contenu de la confession obtenue sous la torture, ou en tout cas sous des traitements de contrainte à la violence. Donc j'objecte à la question. Je suis d'accord. Alors il y a une section qui est intitulée résumé. Dans les pages que vous avez remises, c'est aux pages en Khmer 0027, 43, 9 et 94.
4 5 7 5 8 3 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 ស្លាវរ៉ាហ្វរេស៊ីវ៉ូត្រេមេម៉ួរលោកនឹកឃើញទេថាសេកស៊ីយ៉ូនគេរៀបចំការសន្និសីទរបស់អ្នកទោសដែលគេសួរចម្លើយ ខ្ញុំ តែនឹកឃើញតែពេលមានឯកសារហ្នឹងព្រោះថាវាពេលយូរពេលវែងឆ្ងាយតែខ្ញុំមិនអាច Bien, dans la, l'exemple que je vous ai donné là, il n'y a pas de secrétaire de la région 104 la zone nord. Ce sont des aveux qui datent du 4 janvier 1979. Alors tout d'abord à la quatrième page de ce que vous avez donné, il y a également la même signature que les années précédentes. Je ne peux pas la page par cœur en Khmer, mais en français c'est à la page 0076-3691. En anglais, 0076-2855-5-0. ដែលហ្វាន់នឹងជាផ្នែកចុងបញ្ចប់នៃចម្លើយសារភាពលោកមេធាវីគឺនៅទំព័រទី4នៃឯកសារដែលខ្ញុំដល់ជូនព្រមៀកគេស្ទ្យូអេស្គឺបាទសំណួរទី1របស់ខ្ញុំបើសិនជាលោកឃើញហត្ថលេខានៅឯកសារនេះខ្ញុំសួរលោកថាតើហត្ថលេខានឹងជាហត្ថលេខារបស់លោកឬក៏យ៉ាងណាខ្ញុំគូស Alors en Khmer, je crois que j'ai trouvé l'IRN, c'est 0025-4-5-2-9. À la page qui suit, alors, 3 ou 4 pages de liste intitulée « Liste des personnes mises en cause dans le récit des activités de traîtrise de Chuan Meng Agas Yang. » Est-ce que vous pouvez regarder cette liste? Lok Mithvi, Lok Chuan Meng Agas Yang.
Est-ce que c'était une liste que l'interrogateur vous-même avait établi sur base des aveux de la personne interrogée? បាទតោះបាទតោះឆ្លើយមើលសិនថាចាំបាយមីក្រូហ្វូនផ្ដល់អនុញ្ញាតភ្លើងក្រហមសិនណាប្រតិបត្តិការសូមឆ្លើយនេះបាទបញ្ជីនេះគឺខ្ញុំអ្នកដកស្រង់ឈ្មោះពួកគេត្រូវតែឲ្យដកស្រង់ឈ្មោះដាក់កណ្ដាស់ផ្សេងបន្ទាប់ពីចម្លើយសារភាពហើយគឺឲ្យស្រង់ឈ្មោះ Voilà, j'en ai terminé avec ce document. Bác nhâm sua sum nô lộc chấp chìm mồi nâng ai cái sa nè chăng lộc ai chả tục ai cái sa nè mồi lại bán hay nhâm sua sum nô mình tỏ tiết từ lộc. Est-ce que vous avez jamais reçu des instructions de la part de Dutch, de Chan, ដែលឬទេតកតងទៅនឹងក្លឹមសារចម្លើយសារភាពទេជាពិសេសគឺតកតងនឹងការដែលឈ្មោះអ្នកដឹកនាំកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនដល់លេសអាវដែលមិនត្រូវមាននៅក្នុងចម្លើយសារភាពទេដែលតាមស្រលាលីស្តដែលមិនត្រូវកត់បញ្ចូលក្នុងបញ្ជីអ្នកសំគណិតទេតើលោកធ្លាប់ទទួលបទបញ្ជាបែបនេះទេបាទបទបញ្ជាដែលថាមិនត្រូវបញ្ចូលឈ្មោះអ្នកដឹកនាំជាន់ខ្ពស់នៃកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យទៅក្នុងបញ្ជីដែលអ្នកទោសឆ្លើយដាក់ទ
đáp ở toàn dân xâm đoàn thiết. Oui, je vous ai montré il y a un instant la liste qui était jointe à l'un des documents d'aveu. Il y a de nombreux noms. Est-ce que Dutch ou supérieur vous ont jamais dit qu'il y avait des noms des hauts dirigeants du parti qui ne devaient jamais figurer dans les aveux des prisonniers et dans les listes qui y étaient jointes. C'est-à-dire qu'il n'était pas acceptable qu'un prisonnier puisse les impliquer. Le prisonnier qui était le nom de l'aveu des prisonniers Alors, je voudrais parler des prélèvements sanguins. Dans vos procès-verbaux d'audition ainsi que devant cette chambre il y a 6 ou 7 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez vu concernant des prélèvements sanguins faits sur des prisonniers de S21? បាទអំពីបញ្ហាបូមឈាមខ្ញុំកន្លងមកបានរៀបរាប់ហើយម្ដងហើយប៉ុន្តែឥឡូវនេះក៏សូមបញ្ជាក់ទៀតថាក្នុងបញ្ហាបូមឈាមគឺខ្ញុំបាទឃើញផ្ទាល់ពេទ្រីដែលផ្ទះនៅទល់មុខជ្រកចូលទួលស្លែងហ្នឹងគឺកាលពីសម័យហ្នឹងផ្ទះហ្នឹងទៀមទេនៅកាច់ជ្រុងដឹងហែមងាកខាងជើង ខ្លងទ្វារចូលទួលស្លែងនឹងបន្តិចហើយមកកើតមកអញ្ចឹងខ្ញុំនៅខាងកើតគាត់នៅខាងលិចកាច់ជ្រុងហ្នឹងអញ្ចឹងពេលខ្ញុំយកអ្នកទូយកទៅទុកពេលម៉ោង 11 យប់ខ្ញុំត្រឡប់មកវិញខ្ញុំដើរចូលទៅហ្នឹងឃើញភ្លើងភ្លឺភ្លឺហើយមនុស្សលោកនោះខ្ញុំដើរចូលទៅ
Đào chỗ tôi khuyên phong đạc nẹ tu bồm chiêm hỏi buôn đọc nẹ hỏi á chẳng nẹ tu để bồm chiêm ở nắng cứ lực bỏ cho pru tụ kiên là bong tấu ấy giờ nẹ thamay và tiệt nhưng mà đạc bồm mình đang đo hòa ma chốt nhưng mà đo phê mong sầm rã nhưng tao sầm rã tấu nắng cứ chạy xa đây nhưng mà est-ce que vous avez su à l'époque ou jamais appris non ta lok si les prisonniers qui tlop dang dae ru te tha dont on avait fait des prélèvements sanguins ta ne to da ke bom chiem no auparavant interrogé chi ne to da trou ban ke suo chamlai ruoch hai ban ke bom chiem ba san je lok man dang te man dang te man mach chlai ko ban dae ba lok dang som chlai គេសួរចម្លើយពួកគាត់ហើយឬនៅមុនពេលបូមឈាមរឿងនេះខ្ញុំអត់កំណត់បានថាបូមអឺសួរហើយឬក៏មិនតាន់ហើយព្រោះខ្ញុំមិនដឹងច្បាស់ Et d'après ce que vous avez vu បាទតាមអ្វីដែលលោកឃើញQu'est-ce qui arrivait aux gens dont on avait prélevé le sang? Ta, nè, là cái bom chiêm hai nó. Après que ce soit terminé. Miền rừng ấy cả làng chúng tôi, bộ quạt cái bom chiêm chập sập cục hai. Est-ce qu'il survivait? Est-ce quạt nâu tờ đò ruột tiệt mán, rồi có slap bằng tinh mà đong bằng tinh mà đong. Sôm lục riệp rọp chun tờ la cà. Và chúng tôi nè bom chiêm, về chúng khơi nó cứ nâu tầng hầm tắc.ចឹងអត់តាន់ស្លាប់ទេប៉ុន្តែពេតគេលើកផ្សែងបោះតាគៀនអញ្ចឹងទៅលើកយកអ្នកថ្មីមកទៀតដាក់លើក្រែនឹងបូមចាក់ចងដៃចងជើងចងមុខចងមាត់ហើយដាក់ចាក់តយោបូមដៃម្ខាងមួយម្ខាងមួយដល់ពេលអស់ទៅខ្សោះទៅខ្សោះទៅតែខ្សោយទៅខ្សោយទៅនៅដល់ហើមទឹកទឹកទឹកទឹកលើកបោះតាគៀនអញ្ចឹងទៀតទៅចឹងចំនួនប្រមាណអីប្រមាណអ្នកខ្ញុំមិនបាននៅឈររាប់ទេគាត់ព្រមតែឃើញហេតុការណ៍ហ្នឹងជាក់ស្ដែងនឹងភ្នែកហ្នឹងមក je voudrais montrer monsieur le président លោកប្រធានខ្ញុំសូមបង្ហាញឯកសារ3/4Avec votre autorisation, c'est une liste de S21 qui est intitulée Nom des prisonniers du service des prélèvements sanguins et qui date du 25 octobre 1977. Voilà, sur la première page dans les trois langues, il y a le titre, donc le nom des prisonniers du service de prélèvement sanguin, du 25 octobre 1977. On donne le nom, il y a 5 Tat Saron, Sim Ning Saron, Ning Saron, Nay Chia,Et Smaun A. Il est précisé également qu'il provient de S21. Et que leur date d'entrée S21. L'un quelconque de ces anciens travailleurs de AS21 appartenant au régiment 152. Est-ce que ces cinq noms vous disent quelque chose? Est-ce que vous avez vu les gens qui ont été mis en train de se faire des gens qui ont été mis en train de se faire des gens? Je vais vous dire que je vais vous faire des gens.
hay còn mình đai khơi này. Alors, je vais vous demander dans un tout autre registre de tourner la page. Simplement, il y a la tableau sur la deuxième page qui mentionne les effectifs à la date du 25 octobre 1975. Il est dit total des effectifs restants 980, sachant que 5 personnes du régiment 152 ont été considérés comme sortants. Probablement les mêmes personnes qu'on trouve sur la page 1. Mais quoi qu'il en soit, on constate sur cette liste 325 prisonniers qui venaient du Nord. Il y avait autant de cadres ou de combattants du Nord-Ouest qui se trouvaient à S21 à la fin 1977. ចំណុចនេះដូចបានរៀបរាប់កាលពីមុនហើយគឺថានៅក្នុងឆ្នាំ1977-78ហ្នឹងអ្នកទោះកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងដោយសារថាសកម្មភាពការរង្គោះអង្គើផ្ទៃក្នុងវាមានកាន់តែច្រើនតែចឹងក្នុងគុកហ្នឹងក៏កាន់តែច្រើនសឹងតែរកកន្លែងដាក់មិនបានទេក្នុងគុកឡានឬសូចេញចូលទាំងយប់ទាំងថ្ងៃ រហូតទល់ដល់ថ្ងៃបែកថ្ងៃ7មករានឹងបានឈប់មានសកម្មភាពនឹងអញ្ចឹងខ្ញុំបានរៀបរាប់ជាហូរជាហែមកនឹងគឺជារួមហ្នឹងឆ្នាំ75 78ហ្នឹងហ្នឹងសកម្មភាពហ្នឹងខ្លាំងហ្មងពីភូមិភាគឯសានភូមិភាគឯដភូមិភាគបូព៌ាគ្រប់កន្លែងទាំងអស់សឹងតែអ្នកខ្លះ Très bien, je voudrais quelques minutes, 5 minutes qui restent, commencer à aborder le dernier thème, un des derniers thèmes importants avec vous, c'est celui des prisonniers vietnamiens. Savez-vous s'il y avait des prisonniers vietnamiens à S76 et 1976? Si la réponse est positive, ou si c'est seulement lorsque les interrogateurs sont dans la cour. จับบ้านมามีตั้งประชาชนมีตั้งกองทัพยอมมาตั้งใดตั้งประพลตั้งโกนก็มีนยอมมาคือเป็นลูกอดมีนตอนดักน้องกุกน้องไอ้ที่คือยอมมาเอาตามมาเกียร์อาเกียร์เบ้ตั้งเอาน้องกุยปีมกตั้งดักน้องดักไอ้หอยตั้งเอาน้องกุยหอยมีนไทยบ่บ่เวียดนามเหมือนเนี้ยแต่ดุจหนึ่งจันคือเรียบเรียงตกนั้ง สำหรับสู้นอมอ้อยบอกปลายเชียร์เพียร์เสียเพียร์ซาเวียดนามนั่งจะเซจีกระดาให้อ้อยอ่านเชียร์เพียร์ซาเวียดนามนั่งทอดเชียร์กระแสจับสายอ้อยกองทัพเวียดนามนั่งเชียร์ชุนเวียดนามสดับ
Parmi les interprètes qui ដែលជួយបម្រើការងារតាចាន់តាមបីសួរចម្លើយជនជាតិវៀតណាមទាំងអស់ហ្នឹងតើមានអ្នកទោសម្នាក់ដែលមានឈ្មោះតាន់ទេប៉ាន់ហើយនឹងថាន់ហើយនឹងចាន់តើមានឈ្មោះអ្នកទោសឈ្មោះហ្នឹងទេនៅពេលហ្នឹង ក្នុងចំណោមអ្នកបកប្រែដូចមិនមានឃើញចាចាន់ហ្នឹងគាត់ជាជាងជាអ្នកដាំបាយដាំអីនៅខាងក្រោយទេអាហ្នឹងកាលខ្ញុំធ្លាប់ឃើញប៉ុន្តែដល់ពេលមកសួរសារឲ្យគាត់ចម្លើយភាសាវៀតណាមឲ្យវៀតណាមអានជាភាសាវៀតណាមហ្នឹងគឺដូចអ្នកផ្សេងមិនមានអ្នកហ្នឹងនេះគេឯងគាត់ទឹម យកអ្នកទោះវៀតណាមដែលចាប់មកហើយឲ្យអានហើយអីហើយហ្នឹងដោះលែងអ្នកហ្នឹងឲ្យមកធ្វើជាអ្នកបកប្រែហើយជាជំនួយការរបស់គាត់ហ្នឹងឲ្យសួរឲ្យបកប្រែទៅគាត់ស្ដាប់វិញម្ដងប៉ុនឃើញអ្នកផ្សេងហ្នឹងគឺខុសពីតែចាន់ហ្នឹង Qui amenait les prisonniers vietnamiens à ?Est-ce que c'était si vous l'aviez amené ?Non, ou des camions venant d'autres unités ?Lan, ou des camions venant d'autres unités ?Bah, rien de ce que je l'ai dit, pour que je ne l'ai pas dit, chẳng đăng là nông hàng cào lên đăng à mình đăng diệt lan phụ na phụ na châu lợn đăng đăng thà đã tu nước khơi nông nông bà quân hay lục sạ giấy mà sạm nạc ca nơi ngày đi đọc pi sầm rạ hơi ai biết gặp ạ cái chấm nạc ca sạm nạc ca sầm rạ ngày đi tìm đi sạm nạc ca lực tìm tàu thua nơi ngày ấy ไอ้ไทยประวัติที่ประเพยไปใครพิจารณาปีพ.ศ.2561ได้นั่งจับได้มีมองวงบุญปรึกไอ้สามนาการในไทยไอ้นี่อ่องจำเริ่งนั่งทั่วสามนาการมันต้องตัดตะไคร้กรรมสะใสประคอนมันจอมเฮ้ยนั่งอาจมีนสะใสแต่มีนาตันเนียมปีที่มวยเทียดได้ที่สะใสบุญรงไอ้ส้มเพื่อกิจริบนั่งเชิญโจรวมตามไปเปลี่ยนบ้านกำหนดนี่ไอ้อ่องจำเริ่งเอาคุณลูกสะใสสามนาการสะตัดตะไคร้กรรมบุญลูก ក្នុងឋានៈជាសាស្ត្រីនៅមិនទាន់ចប់នៅឡើយទេអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកឲ្យមកបន្តផ្ដល់កិច្ចកម្មនៅថ្ងៃស្អែកទៀតហើយអង្គជំរះក៏អរគុណផងដែរលោកមេធាវីមមរិទ្ធីមេធាវីការមេធាវីប្រឹក្សាសាស្ត្រីហើយអង្គជំរះក៏អញ្ជើញលោកមកបន្តចូលរួមប្រឹក្សាសាស្ត្រីរូបនេះនៅថ្ងៃស្អែកទៀតដែរហើយប្រកបឲ្យអនុរិយមន្ត្រីគុំខាំងនាំខ្លួនជនជាប់ចោទទាំងពីររូបលោកនួនជានិងលោកខៀវសំផនត្រឡប់ទៅកាន់មន្ត្រីគុំខាំង
Sum chơi croc chô.